Bonjour à tous les gens, ici J12, bienvenue sur ce nouvel épisode de Kirby's Nightmare in Dreamland. Continuons. Attendez, je passe du clavier à la manette. Oups. C'est vrai que le bouton A et le bouton B sur la manette Xbox sont inversés. Start game, one player. Nous étions arrivés au level 2, les gens. Ça, on a déjà vu la cinématique. Alors, level 1. Oula. Normalement, avec les déplacements du joystick, ça devrait être... Ça devrait être mieux gérable. Ouais, ça se fait sentir. What? Mais mon... Kirby, s'il te plaît, monte pas. Moi, je te dis pas de monter. Ah merde, je voulais prendre son pouvoir. Vas-y, donne-moi. Ouais, sérieux. Donne-moi ton pouvoir. Oh là là, mais nada quoi. Voilà, j'ai enfin le parasol. Ah voilà, ça sert à ça. Je voulais pas le perdre non plus. Mais c'est pas vrai. Oh bah tant pis hein. Mais genre. Ça va être chaud les gens. Non! Oh! Ça a failli nous exploser en pleine face! Très bien! Oh! On perd des vies vêtements, les gens! Allez, mode tornade activé! Et merde, on est arrivé quatrième. Alors, level 2. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Alors ça, on le casse comme ça. Voilà. On prend l'étoile. Où est-ce qu'on va comme ça? Ah ouais, il y a un mini-boss. Bah je vais garder le... Je vais garder la tornade. Oh bah c'est le pneu. Allez le pneu. Oh, J'étais à ça de me faire tuer. Ah, niveau vie, on n'est pas très bon. Ouais. Ah bah c'est bon, on a ramassé de quoi régénérer nos points de vie. C'est vraiment cool ça. La roue sur cette zone là, elle est vraiment faite pour ça. Quoi. Merde. Loupé. 300. Comme le film 300. MDR. Ici, c'est quoi? Ah oui, c'est Attends, c'est quoi? Les commandes. Ah oui, c'est vrai. C'est genre, on doit pas accélérer lorsqu'il y a des pics. Comme ça. Ah ouais d'accord, et au dernier moment il faut... Ah j'ai été nul. Je suis troisième. Aïe. J'ai gagné une vie, lol. Bah c'est déjà ça les gens.
C'est quoi ça? Encore? Bon bah faisons-le, pourquoi pas. Genre direct. Oh là les genres. Oh la loose. J'ai pas l'impression que la roue nous sera utile sur ce niveau là. Comment dire? Eh, on peut rouler sur l'eau? C'est pas mal ça. Alors ces ennemis là, ils viennent vers moi. J'ai oublié qu'on pouvait rouler sur l'eau avec le pouvoir de la roue. Allez, monte. Ah, une vie, ça c'est cool. Ah, on pourra pas aller la récupérer, je pense. Ouais, non, il nous faut... C'est dommage. Genre, pourquoi elle a disparu tout de suite, mon étoile? C'est moi qui l'ai fait disparaître? Oh non! Ah, ça va. Ah, y'a par ici. Oh, mais genre... Allez, dégagez. Non, tu m'auras pas. Ouh, lui, il a failli m'avoir. Ouh... C'est que c'était chaud. Alors, ici, c'est soit on passe, soit ça casse... Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce que j'ai fait là à un moment donné, mais j'ai failli perdre. Allez, cette fois-ci. Oui! One! Et un hup! Une vie! Très bien. Alors, niveau 4. C'est quoi au fait ça déjà? Non, on va garder ça pour plus tard. Alors voyons voir ça. Non, ici c'est un niveau alternatif. Ces ennemis là ils peuvent être chiants parce qu'ils escaladent les murs. Et what? Ils viennent traverser la plateforme ou je rêve? Ah d'accord, moi aussi je peux le faire. Et ils tirent des étoiles avec leur nez. Donc, c'est des ennemis qui peuvent paraître banals, mais ils sont assez chiants. Cool, une maxi tomate. C'est. Oh! C'est pile ce qu'il me fallait. Qu'est-ce que je prends? Ça, j'aime bien. Ah, non, par contre, pour ce que. Le fait que. Voilà. Vas-y, dégage tes notes. Allez. Ah merde. Allez, dégage. Et laisse-moi profiter de ton pouvoir. Voilà. Mégaphone. Comme dans Pokémon. Le micro. Boom! Voilà. C'est plutôt fun. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le laser. C'était pas la... Je me suis dit le laser, c'était une exclusivité à Kirby's Labyrinth of Mirror. Parce que, oui, j'ai le jeu. Donc une fois que ce Kirby sera fini, bah, je ferai la suite. Oh là là, mais c'est stressant. Pourtant le jeu n'est pas compliqué, hein. Enfin les Kirby ça a rarement été compliqué.
Ouais, c'est moi qui les fais disparaître, les trucs. Je peux tirer dessus, ça les fait disparaître. Allez, fais descendre la vie. Voilà. Maintenant, je tire des lasers. On va pas aller par là, ça sert à rien. Après tout, les niveaux sont linéaires dans ce Kirby-ci. Allez. Ah, dommage. Mais bon, c'est pas mal quand même. 5000. Alors, niveau 5. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un combat de boss. Ah, je me suis pris son... Hop, un combat fini. Bon alors là... Ah oui, d'accord. Il y avait une porte. Il y a 5 niveaux. Il n'y en avait pas 4 dans, dans celui d'avant. Mais mine de rien, ça a l'air facile comme ça, mais en fait, se prendre des coups dans ce Kirby-ci, ça... Ça a l'air plutôt... Ben voilà. Ah merde, j'aurais dû me régénérer mes HP. Hop, dégagez les petits trous. Et bim, bim, bim! Bim, bim, bim! Hop! Ceux-là, ils sont chiants aussi parce qu'ils se mettent à tourner et ils peuvent foncer sur vous et se téléporter. Mais putain, pas de gros mots dans un jeu aussi mignon, je vous ai dit. Non. Mais le parasol, s'il te plaît. Ah, eux, ils vont m'être utiles. Heureusement que ça comptait pas, ça. L'explosion. Allez, cette fois c'est bon. Ah, presque. Et le boss suivant. C'est quoi ça? Ah, c'est encore... Ouais, non. What? C'est quoi ce boss? C'est quoi ce boss? On dirait un... On dirait un remix du boss... Du boss magicien. What the fuck? Et c'est bien parce que les ennemis qui dessinent, ils restent en forme de dessin. Merde! Aïe aïe aïe, je vais perdre. Bah oui, mais merde! Allons prendre un pouvoir, les gens. On va prendre ça. Le pouvoir de la flamme. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ah bah oui, mais... Ouais, ce nuage, il va être un peu chiant. Allez, bim! Et on reçoit un bâton magique. Butter Building. Hein?
Le building Amber, c'est ça que ça veut dire? Bref, on a fini le level 2, les gens. Ce qui veut dire que, bah, on se retrouve, l'épisode est fini et on se retrouvera pour l'épisode suivant de Kirby's Nightmare in Dreamland. C'était J12 pour vous servir. Je vous souhaite une bonne vidéo à vous, les gens, et peace!